Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Mike et aujourd'hui, nous allons visiter ensemble cette somptueuse villa située sous le soleil de Dubaï. La villa se trouve à Damak Hills. Elle fait au total 1600 m². Elle comporte 7 suites, une salle de jeu, une salle de cinéma et une grande piscine. Avant de commencer, je tiens spécialement à remercier Nima Safa de l'agence SV Properties qui nous permet de faire cette visite. Maintenant, let's go, on va faire ce tour. On se retrouve à l'intérieur de la propriété. Comme on peut le voir, cette magnifique double porte d'entrée en bois massif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui frappe en premier en rentrant dans la villa, sentiment de grands espaces donnant accès sur l'extérieur et la piscine. On a différents claustras séparant les pièces. Pour le salon principal, nous avons 7 mètres de baie vitrée, ce qui ramène un maximum de lumière. Et également un passage depuis le début de la maison qui donne accès à la terrasse. Nous avons 2 grands canapés et 2 fauteuils pour regarder la télé. Au sol, vous avez d'immenses plaques de marbre de 2,50 m. Le style de la villa est très italien puisque c'est une collaboration avec le célèbre designer Roberto Cavalli. Sur les murs, on retrouve de beaux détails comme ces moulures toute hauteur qui se marient parfaitement, je trouve, avec le marbre au sol gris clair. De ce côté-ci, nous avons donc une table à manger pour 8 personnes en marbre avec le même style de luminaire que pour le salon principal. Voici dans la cuisine principale. Ici, nous avons un magnifique plan de travail de couleur foncée qui se marie parfaitement, je trouve, avec les meubles en bois, très élégant et épuré au niveau du style. Ici, donc, vous avez encore une fois une fenêtre sur l'extérieur, les éviers, tout espace rangement possible et utile dans une cuisine, une hotte aspirante, les plaques et le four. Ici, on retrouve une extension de la cuisine principale avec un îlot central et un espace pour 3 personnes, donnant une vue directe sur le second salon et la seconde salle à manger. Dans cet espace, il y a une magnifique table pour 10 personnes en marbre, donc c'est la seconde salle à manger, avec un magnifique luminaire matchant parfaitement, je trouve, avec la table. À ce niveau-là, le second salon, avec 2 canapés, table basse en marbre et les 2 fauteuils, donnant une vue directe également sur une télé. Face à la salle à manger, on a donc cet immense espace avec une grande terrasse en béton, une piscine, également un jacuzzi. Vous avez 2 transats et un espace pour manger ou boire un verre. Pour profiter d'un bon moment avec la famille et les amis sous ce soleil de Dubaï, vous avez donc ce salon incrusté juste à côté de la piscine. Derrière moi se trouve la cuisine d'été et ici nous avons une salle de jeu. On se retrouve au niveau moins 1 de la propriété. Pour accéder aux différents niveaux, vous avez soit l'ascenseur, soit l'escalier en marbre suspendu, magnifique. Je me trouve dans le cinéma privatif, une salle que j'adore particulièrement. Au mur, vous avez des revêtements très élégants de couleur beige. Et au plafond, ce magnifique ciel étoilé qui rappelle celui du garage. À ce niveau-là, donc, vous avez le projecteur qui donne le film sur ce mur-là. Et bien sûr, c'est un grand cinéma parce que vous avez 8 personnes pouvant regarder en même temps un film. Juste à côté de l'espace cinéma, vous avez l'espace lounge avec un canapé 2 personnes, une table basse et un fauteuil donnant une vue directe sur la télé. Encore une fois, on peut le voir avec les accessoires autour du meuble télé, la collaboration avec le designer Roberto Cavalli. Pour le détail, ici, le propriétaire pourra donc admirer ces magnifiques voitures à travers ses baies vitrées donnant une vue directe sur le garage.
Nous sommes dans le garage pour cette voiture, donc c'est un très grand garage. Ici, vous avez une superbe plaque tournante permettant d'accéder plus facilement aux différentes places de parking. Et un détail, mais pas des moindres, un superbe style étoilé qui rappelle celui de Rolls-Royce. Nous enchaînons avec cette immense salle de sport, au mur un élégant effet taloché, se matchant parfaitement, je trouve, avec le parquet en pointe de Hongrie. Vous avez de nombreux éclairages au plafond avec des spots de part et d'autre, ainsi que des miroirs pour vous regarder pendant le sport. Et bien sûr, un accès direct à une magnifique cour anglaise ombragée, donnant accès ensuite aux terrasses. Après le sport, il faut savoir se détendre. Donc derrière les miroirs, on retrouve un spacieux sauna à ce niveau. Ensuite, vous avez un hammam et ici, le grand vestiaire. Pour l'espace vestiaire, ici, nous avons différents placards. Au sol, une pierre naturelle et au mur, du marbre avec 4 toilettes. Espace tout en marbre à ce niveau-là avec les différents vasques. Avec la partie supérieure de la maison en prenant ce magnifique ascenseur mixant le bois et le marbre. On se retrouve au premier étage avec cette chambre invitée qui est en fin de compte une suite parentale qui donne une vue directe sur la rue. Ici, vous avez un balcon privatif. À ce niveau, vous avez les différents placards. Donc encore une fois, le style très cavalier avec les différents accessoires. Et bien sûr, une salle d'eau gris clair avec du marbre et la pierre naturelle au sol. Magnifique. Et une douche à l'italienne. Poursuivons avec la master bedroom de l'étage. Pour la partie murale, vous avez de magnifiques moulures gris clair, maillant parfaitement avec le sol qui est un parquet massif. Ici, d'immenses baies vitrées faisant entrer un maximum de soleil. Pour la partie nuit, donc vous avez cet immense lit avec sa grande tête de lit toute hauteur, avec un lustre au plafond et donnant une vue magnifique sur le golf et la terrasse privative. Pour information, il s'agit du golf international de Donald Trump. Il n'y en a que 6 dans le monde, dont celui-ci qui est à Dubaï. Pour la seconde partie de la master bedroom, ici vous avez la coiffeuse, différents placards et bien sûr une immense salle de bain avec une baignoire, les vasques en marbre noir, magnifique, 2 grands miroirs. Pour la partie décoration, entourant les miroirs, on a un effet peau de serpent avec de l'or tout autour. Ici, un lustre, WC suspendu et bien sûr, une douche à l'italienne. Voici la deuxième suite parentale de l'étage. Ici, espace rangement ainsi que la salle de bain. De ce côté-ci, vous avez l'espace nuit, donc qui est couleur gris clair, donnant un accès direct à l'extérieur. On se retrouve sur ce salon extérieur, accessible depuis le couloir de l'étage et également la chambre. Cette chambre a un accès direct à sa propre terrasse, donnant une vue directe sur jardin et piscine. On se retrouve au dernier étage de la propriété. Ici, nous avons la plus grande master bedroom de la villa. C'est la même que celle d'en bas, mais en beaucoup plus grande. Donc l'espace nuit ici est considérable. Pareil, vous avez la tête de lit toute hauteur, le lustre au-dessus du lit et une magnifique vue totale sur le golf. Continuons avec la suite de master bedroom. Ici, la coiffeuse avec son immense miroir. De part et d'autre, des placards. Nous voici dans la majestueuse salle de bain. Ici, des rangements, la baignoire centrale, cette grande douche à l'italienne, ainsi que les vasques et les grands miroirs, et bien sûr, WC suspendu. La seconde chambre du dernier étage est celle pour les enfants, donc elle a une vue directe également sur la grande terrasse, et le golf.
Pour finir, nous voici donc sur la terrasse dernier étage. Donc c'est un carrelage à effet parquet, très chaleureux. Elle fait plus de 100 mètres carrés. Ici, vous avez une table à manger et un espace salon également pour profiter avec les amis et la famille. Elle donne donc vue sur la piscine et jacuzzi. Et bien sûr, cet immense golf, donc le golf Donald Trump. Et au fond, comme on peut le voir, vous avez différentes villas en construction qui seront similaires à celle-ci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. D'ici une prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao !